Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo tant attendue, on peut le dire, parce qu'elle a quand même été beaucoup demandée dans les commentaires. Test de la KTM 125SX. Je refais un petit tour proprio pour ceux qui ont oublié. Donc 125SX de 2018, cadre orange, monté en super motard, donc des petites jantes Falco Racing. Regarde un peu le disque. Regarde la taille du disque. Donc la petite déco féroce graphique que vous n'y avez pas vu dans le dernier épisode, en dernière vidéo. Une petite déco incroyable, bleu chrome, finition pailletée. Oh. Franchement, la déco, je la trouve incroyable. Donc la déco vient de chez Féroce Graphique. Donc là, les amis, ce qu'on va faire, je vais prendre le casque avec la petite GoPro. On va aller faire un petit tour, pas trop long, parce que la moto, donc, elle n'est pas finie trop. Enfin, elle est homologuée, si vous voulez, mais j'ai pas encore mis ma plaque, toutes mes lumières et tout. Donc on va pas faire un grand tour, chercher la merde et tout. En plus, ça fait pas mal de bruit. Donc on va faire un petit tour pour vous voir ce que ça donne, le comportement sur la route, tout ça, avec la petite GoPro. Et ensuite, on reviendra là, je vous parlerai un peu de la moto, tout ce qui va suivre, tout ça. Zou, je vais comme t'as démarré un petit coup, histoire que t'écoutes le son avant. Vous la fenêtre. Elle est grasse. Bon là les amis, on va d'abord la faire chauffer un petit peu, histoire de pouvoir tirer bien dedans comme il faut. Donc là la moto, je trouve qu'elle tire quand même assez court. Donc j'ai une couronne de 45 dents et un pignon de 14 ans. Donc à tirer assez court, vous allez voir, on est vite en fond de 5. Oui, boîte 5 vitesses sur la 125. Ça aurait mérité une couronne un peu plus petite, mais il a fallu la commander. Je voulais faire la vidéo aujourd'hui pendant qu'il fasse beau. Donc vous allez voir comment ça tire, le comportement moteur, le couple. Bon, le couple déjà les gars, ça n'a rien à voir avec une 50, un 100 fast, et si vous voulez, le couple est vraiment au-dessus. Même moi, putain, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, en vrai, j'en fais pas souvent. Hein. Bon bah comme d'habitude, j'espère juste que le son va être bon, parce que mon micro, c'est pas un micro de malade. Donc en plus du problème de vent, j'espère que vous allez entendre le son des deux côtés, parce que j'ai fait une ou deux vidéos où le son sortait que d'un seul côté. Donc j'espère que cette fois, ça va aller. Et sinon, les gars, je sais pas trop comment faire, j'ai essayé pas mal de micros, mais ça change pas grand-chose. À dire, ça chante plutôt bien. J'en fais tellement peu souvent qu'en fait vous allez avoir mes réactions comme si c'était la première fois que je l'essayais. Donc là les amis, je suis en troisième. Je suis vraiment à bas régime. On ouvre en grand comme ça vous allez pouvoir le couple. Oh putain, la dinguerie vraiment. J'espère que vous allez vous rendre compte du son, c'est vraiment incroyable. On va plutôt aller chercher les petites routes là où il n'y aura pas grand monde, pas beaucoup de voitures. Donc la première. Donc pour ceux que ça intéresse, les 6 comme tous les autres 125 de temps de maintenant, ils sont donnés pour 40 chevaux. Donc 40 chevaux c'est énorme avec une putain de courbe avec le couple. En définitive, j'ai même plus trop l'habitude de faire des vidéos GoPro, ça fait un sacré bout de temps que je vous en ai pas fait. La dernière fois ça devait être avec la bêta. On va prendre un petit chemin histoire de rejoindre une autre petite route.
Et après tout, c'est une motocross, hein, c'est fait pour prendre les chemins. Bon, la paire de jantes à 1000 euros, un peu moins, mais... Là, je suis en troisième. Ça demande vraiment qu'à lever. J'aurais bien essayé de vous faire un départ arrêté sur une bonne ligne droite, mais j'ai peur de pas pouvoir la tenir, pas pouvoir accélérer à fond première. Vous allez voir, mais vraiment, même avec l'embrayage, c'est vraiment... ça tire. Là, il y a un petit bout de droit, là. Oh, la dinguerie. Oh, mec, je serais tellement curieux de savoir 0 à 100. Je sais pas s'il va y avoir la vitesse GPS sur la GoPro. Ah, y a, à chaque fois, il y a un coup sur deux, donc bon... Et je tire à peine sur le guidon, c'est ça qui me passionne. Il est vrai que ça tire quand même relativement court. Vraiment court. Là, j'ai fait pratiquement toute la route en cinquième. Vous avez vu, je me suis bien amélioré, hein. C'est vrai que... Thank you.
Mon petit garçon. Dinguerie. Alors par contre, les suspensions, j'hésite un peu entre elles sont trop dures et trop molles. Parce qu'en gros, au freinage, elle plonge un peu. Mais sur une petite route comme ça, ça saute vachement. La moto, elle saute. Donc à voir, je pense qu'une bonne copale suspension, ça lui ferait du bien. Parce que les WPR de KTM, c'est de la merde. Vraiment, en cross, c'est horrible. Genre, tu sais, tu sens vraiment les gros crans et tout. Vraiment, une force WP propre au par deux, c'est vraiment de la grosse merde. Là, regarde, comme elle saute. Regarde ça. Putain mon gars, oh là là, le freinage. Oh putain. Dites-vous que le freinage, je l'exploitais même pas là. Je freinais vraiment à deux doigts, un tout petit peu. Putain, elle saute sur les petites routes, mon petit gars. Par contre, c'est vraiment un vélo, la moto. Voilà, je pense que par chez moi, c'est pas du tout adapté aux routes. Genre, chez moi, c'est plus des grandes routes, des grandes lignes droites. Il n'y a pas beaucoup de belles petites routes avec des virages et tout. Mais ça, les gars, dans un col, ça doit être une arme de guerre. Sur circuit ou même sur, dans un col, je serais curieux de savoir par rapport à un vrai 4-5 ans, un gros supermote. Parce que je pense que le rapport poids puissance, il est pas loin d'être le même. Regarde le couple. Oh là là, puis le freinage. Oh putain. T'as autant de sensé au freinage qu'à l'accélération limite. Vraiment le poids c'est... Ça joue tout le temps. Bon bah voilà pour cette petite vidéo GoPro les amis. J'espère que vous aura plu cette petite vidéo GoPro. Donc je vous ai essayé de faire 2-3 plans extérieurs. C'était pas moi qui l'ai vu évidemment, vous aurez compris la petite blague et je vais filer ma veste. C'est Reggie Wells, je vous mets son petit Instagram, il lève super bien. Donc des petits plans extérieurs pour vous rendre compte de comment ça marche. Maintenant GoPro aussi, comme ça vous pouvez voir la prise de régime, le couple, tout ça. Moi bon, franchement je trouve que c'est vraiment impressionnant. Bon après comme je vous ai dit, là elle tire vraiment court. C'est vrai qu'elle tire un peu plus long pour que ça soit plus roulable sur route. Mais pour rouler sur route tous les jours,
Alors je conseille et je conseille pas, parce que je conseille pour ceux qui savent lever et tout, c'est sensationnel, t'as des chevaux et tout, mais le mec qui veut rouler tous les jours, qui fait 30 ou 40 bandes par jour, c'est vraiment pas la bonne solution, genre ça consomme. Je pense que c'est pas hyper fiable en super motard, genre après faut savoir faire l'entretien et tout, c'est les pistons, on veut pas tous les 30-40 heures je pense. Même un peu moins, je pense en super motard, parce que déjà les puristes en cross ils font tous les 25-30 heures. Donc en super motard vraiment c'est un entretien super régulier par rapport au 4 temps où t'as rien à faire. Donc déjà ça c'est un premier point. Ensuite deuxième point, bah l'agrément de conduite, déjà ce que vous avez vu, genre quand t'es à bas régime, bah c'est bien, tu vas pas très vite. Dès que t'accélères un peu, ça prend le régime, puis ça te jette et tout, donc t'as pas vraiment le mode balade. Après voilà, si t'aimes ou t'aimes pas, moi bah je roule pas avec, forcément j'aime. Mais du coup, normalement à l'heure où je vous parle sur la vidéo, vous allez voir sur Instagram, j'ai mis des petites stories, des petits posts. Elle est en vente. Donc ça c'était la première et dernière vidéo test. Bon peut-être pas la dernière parce que ça se trouve elle va pas partir tout de suite, hein, qui sait. En tout cas voilà, donc la 4M en vente. Pour le prix je sais pas trop encore comment ça sera. Donc sur l'annonce moi j'avais pensé à la mettre à 8 800 €. Alors 8 800 € pourquoi? Alors je pense qu'il y en a qui comme moi au début ne connaissent pas trop la tranche de prix. Vous regardez sur le bon coin un 125 XCW. Donc en gros XCW bah c'est devenu ça. Enfin c'est plutôt celle-là qui est devenue XCW. C'est des 125 SX qui sont homologués, donc qui ont une carte grise, des lumières, une plaque. Donc bah, c'est ce qu'elle a maintenant elle aussi, la SX. Et c'est des motos qui se vendent 7 500 €, donc qui sont de 2018 pareil, sauf qu'on 150 heures. Celle-là, attention les vélos, je vous montre le compteur d'heures. Celle-là, 40,4 heures. Putain, je suis parti, on a eu 39, merde. C'est un peu con. Celle-là, elle a que 40 heures. Donc vraiment, bah, de toute façon, vous le voyez. Hein. Bon, là, les sages étaient en poussière, la chaîne a giclé partout. Mais vraiment, tout est propre. La moto, bah, elle est vraiment. Pour moi, elle est vraiment neuve. Hein. De toute façon, même si elle est pas dans un trophée, je l'ai vraiment démonté de A à Z, comme vous avez pu faire dans mes autres vidéos. Vous connaissez comment est la moto. Donc, je l'ai mise à ce prix-là. Déjà, parce que de 1, elle est beaucoup plus propre. Enfin, j'estime qu'elle est plus propre que les autres XCW qui sont en vente à peu près 7 500 €, qui sont simplement avec des roues cross. Donc, moi, celle-là, je la vends en super motard avec les roues cross à côté. Après, possible si quelqu'un veut souhaite vraiment que faire l'enduro avec la moto et pas du super motard qui souhaite avoir un 125 homologué, peut-être que je casserai un peu le prix puis j'enlèverai les roues super motard et je n'aurai que les roues enduro. Comme ça si quelqu'un souhaite avoir un 125 vraiment qui marche pour faire l'enduro, je ferai un petit rabais. Donc ça voilà, après je donnerai plein de pièces comme j'ai dit avant. Vraiment qui me surprennent, justement les 125 XCW, bon attention ça devait vraiment être une moto de passionné, très, très propre. Regardez un peu le prix, je vous mets le screen juste là, mais le prix bah 10 500 €, enfin. Après bon déjà 8 800, moi, je trouve que c'est une certaine somme. Moi j'ai mis ce prix là, après vous en poussez ce que vous voulez, moi j'espère la vendre à ce prix là pour évidemment ensuite faire d'autres projets. Donc j'aimerais bien faire d'autres projets sur les motos, bon, forcément pas rester sur les scooters toute ma vie, j'ai fait 2 vidéos sur des scooters, histoire d'en donner un peu pour tout le monde, après je ferai d'autres motos, des motocross, d'autres motos, enfin voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment faire beaucoup de projets, moi me racheter une autre moto de cross. Du coup j'ai mis celle-là sur motard mais je me retrouve sans mode crotte. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié, vous me l'avez beaucoup demandé la vidéo GoPro, donc j'ai essayé de faire un truc pas trop mal, j'espère que le son sera été. Prochaine vidéo samedi prochain, vidéo essayage du stunt. Là c'est fini, quand je commence à le régler, j'ai mis 2-3 babioles. Il sera fini, donc là on pourra faire la vidéo de test, petite GoPro je pense. Bon on fera pas vous attendre à un truc qui pousse autant que la 4M, mais bon c'est histoire de vous faire voir, parce que tout le monde voulait voir comment ça marchait. Franchement ça marche très bien, je suis assez surpris. Donc là vous avez vu, maintenant je suis réactif vraiment une vidéo tous les samedis. Donc c'est pour ça que je vais essayer de... Bah, j'aimerais bien vendre celle-là justement pour faire d'autres projets, pour essayer de sortir de plus en plus de vidéos. Parce que j'ai vu où les vidéos, vous avez vachement plus sur les vidéos mécaniques du stunt. J'ai essayé de faire des vidéos longues comme ça, mécaniques. Franchement bah, ça me plaît de les faire, donc s'il y avait plus à vous, ça pouvait vous plaire. Ça serait encore mieux, ça serait quand même en bénéfice. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi la vidéo.